a few hours after the start of russia's massive offensive against ukraine on february 24 2022 emmanuel macron immediately affirmed france stands alongside ukraine by choosing war vladimir putin has decided to carry the most serious attack on peace in europe for decades he said to this act of war we will respond without weakness with composure determination and unity we will take decisions during the g7 this afternoon the european council this evening in brussels and the nato summit which will be held in the next few hours adding the head of state hammering we will hold russia accountable to the united nations security council. en reniant sa parole en refusant la voie diplomatique en choisissant la guerre le président poutine n'a pas seulement attaqué l'ukraine il a décidé de bafouer la souveraineté de l'ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Nous avions anticipé ensemble cette crise en menant un dialogue exigeant. Et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Elle est là. Et nous sommes prêts à cet acte de guerre. Nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi, du Conseil européen qui se tiendra ce soir à Bruxelles et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations unies et tâcherons de bâtir l'unité internationale les sanctions portées à la russie seront à la hauteur de l'agression dont elle seront coupable. sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. nous appuierons l'ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes, sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre. Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche. Protéger nos compatriotes exposés en Ukraine, protéger tous les Français et prendre les décisions qui s'imposeront quant aux conséquences directes et indirectes de cette crise. En ces heures troubles, où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité. Unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. Ces principes nous ont fait et continuent de nous tenir ensemble. Un message de ma part sera prononcé demain au Parlement et je reviendrai vers vous dans les heures qui viennent afin de vous tenir informés de l'évolution de la situation et des décisions que je serai amené à prendre. Vive la République et vive la France.